Some pieces are back together now. What's your vision? Capitaine, capitaine Christophe, réveillez-vous. La présence d'un sous-marin ennemi a été détectée. Nous devons dissimuler notre navire avant d'attaquer. Feu sur A2. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler encore de nouvelles applications sur notre Google Home. Et comme promis, je vous ai dit que à chaque fois que je vérifierai et qu'il y aura des nouvelles applications, je vous les partagerai. Ici, tel est le cas, j'ai découvert des nouvelles applications, je vous en fais profiter, et j'espère que la vidéo vous plaira. Surtout, pensez bien à vous abonner si cela n'est pas déjà fait, et on va tout de suite rentrer dans le sujet de la vidéo, les nouvelles applications de Google Home. Comme d'habitude, je vais éviter de vous faire entendre le mot-clé pour éviter que tous vos appareils sonnent en même temps. Et on va tout de suite rentrer pour les amoureux des animaux. Une très belle application qui fonctionne parfaitement bien. On va tout de suite parler avec Croquette Land. Ok, je vous mets en contact avec Croquette Land. Bienvenue sur Croquette Land. Laissez-vous guider pour obtenir des informations sur votre animal. Avez-vous des questions sur les chats ou les chiens? Les chats. Très bien, mes réponses concernent désormais les chats. Vous pouvez choisir une catégorie parmi santé, alimentation, équipement, conseil. Conseil. Voici les thèmes disponibles. Litière, éducation des chatons. Soins en hiver, danger de Noël, dormir avec son chat. Soins en hiver. Prenez soin de votre chat en hiver en le brossant régulièrement pour le débarrasser du poil mort, en adaptant sa nourriture à son activité plus calme en baissant les doses ou en lui proposant un aliment allégé. S'il a accès à l'extérieur, laissez-le sortir moins longtemps mais plus souvent. Voulez-vous d'autres conseils pour les chats? Non. Voici les autres catégories pour votre chat, santé, équipement, alimentation. Jouer pour chat. Pour que votre chat puisse jouer, sauter, grimper et faire ses griffes, l'arbre à chat est un accessoire indispensable. Il faut que l'arbre soit suffisamment grand, avec des cachettes et des endroits où se reposer. Vous pouvez placer sa gamelle sur un des plateaux pour l'habituer. C'était la seule question de la rubrique équipement pour le chat. Voici Croquette Land. Bienvenue sur Croquette Land, laissez-vous guider pour obtenir des informations sur votre animal. Avez-vous des questions sur les chats ou les chiens? Les chiens. Très bien, mes réponses concernent désormais les chiens. Vous pouvez choisir une catégorie parmi santé, alimentation, équipement, conseil. Santé. Voici les thèmes disponibles. Tremblement du chien, croissance des chiots. Poids idéal. Équipement. Cette catégorie possède un seul thème, manteau pour chien. Manteau pour chien. Il est recommandé d'équiper d'un manteau le chien frileux, convalescent, âgé, ou selon sa race, son mode de vie et son sous-poil. Le manteau doit le couvrir de la base du cou à la naissance de sa queue pour bien le protéger des intempéries, du froid et de l'humidité. C'était la seule question de la rubrique équipement pour le chien. Vous pouvez choisir une question parmi les autres catégories pour votre chien. Conseil. Voici les conseils disponibles pour les chiens. Préparation à l'hiver, arrivée d'un chiot. Danger de Noël, dormir avec son chien. Dormir avec son chien. Pour dormir avec votre chien, il faut être très rigoureux et ne pas le laisser en faire son territoire. Cela doit rester occasionnel. Il doit avoir son couchage personnel et doit s'y habituer car si vous dormez avec lui tous les soirs, il risque de développer une dépendance affective. Voulez-vous d'autres conseils pour les chiens? Stop. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, Croquette Land, vraiment une application que je vous invite à aller tester si vous avez des animaux, à explorer cette application qui est vraiment super bien faite. Et on va passer tout de suite à la seconde application. Merci à vous de suivre cette vidéo et on rentre tout de suite dans le deuxième thème. Voilà, donc cette application étant vraiment parfaite, on va rentrer dans une nouvelle application qui est plutôt pas mal, une application jeu. Et on va tout de suite demander à notre Google Home à parler avec bataille cartésienne.
Bien sûr. Voici Bataille cartésienne. Bienvenue, vous pouvez accéder à ces infos en disant « Informations ». Avant de commencer, sachez que vous pouvez dire « Naviguer » ou « Naviguer vers votre position ». Exemple, « Naviguer vers A1 ». Pour vous déplacer à tout moment dans la grille « Jeu ». La grille de jeu contient 3 colonnes, ABC et 3 lignes 1 et 2 et 3, longitude et latitude, coulez votre adversaire avant qu'il ne soit trop tard, dites feu, ou feu sur la position désirée, exemple, feu sur A1, si vous désirez quitter le jeu, vous pouvez dire, j'abandonne le navire, voulez-vous commencer à jouer? Oui. Dites-moi votre surnom de capitaine. Christophe. Capitaine Christophe, réveillez-vous. La présence d'un sous-marin ennemi a été détectée. Nous devons dissimuler notre navire avant d'attaquer. Dites-moi naviguer ainsi que votre position souhaitée, la longitude et la latitude. Naviguer B1. À vos ordres, mon commandant, position B1. Nous y sommes maintenant. Que voulez-vous faire? Feu sur A2. Vous êtes l'un des meilleurs capitaines, on se souviendra de vos exploits en mer. Vous pouvez le dire, dites, je suis le meilleur capitaine. Je suis le meilleur capitaine. Et moi, je suis le meilleur assistant. Super, franchement, nickel, c'est vraiment marrant. Donc voilà, j'espère que cette application vous aura vraiment plu, ou en tout cas, elle m'a fait vraiment rire. Je vous réserve d'autres vidéos au sujet du Google Home. Franchement, il nous en offre des pas mal. J'espère que mes vidéos vous plaisent et qu'elles vous donnent aussi envie de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Voilà donc pour cette petite vidéo sur ces deux applications. Je vais donc vous sortir d'autres vidéos puisque je viens de découvrir quelques applications très intéressantes. Donc pour les suivre, pensez bien à l'abonnement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et surtout, je vous dis à bientôt pour la prochaine car pas mal de petites nouveautés arrive sur la chaîne. Merci à vous et à bientôt. Salut !